professionnel. La Fashion Fair aujourd'hui, ça a été bien dit dans le reportage, vous avez l'étude de l'influence, je vous invite à aller sur... vous pouvez trouver, c'était sur Le Monde, que la cartographie des sites internet politiques avait été faite, en lien avec l'influence. Et donc on voit que ça a été multiplié par 3, le volume, l'espace occupé par l'extrême droite. Alors l'extrême droite, pas seulement Front National, c'est clairement dit, hein, il y a aussi dedans des identitaires, il y a toute une mouvance diverse et variée, notamment dans la philosophie de typologie. Dedans vous avez les blogs réactionnaires, donc François de Souche, ce genre de type de sites qui sont en fait des sites agrégateurs de contenu. Une première parenthèse, puisque à ma connaissance, il n'y a aucun site agrégateur de contenu écolo. On peut déjà mettre ça dans un coin de l'écolopale. Donc vous avez tout un tas de sites agrégateurs, il n'y a pas que François de Souche, il y a aussi Europresse, il y a plusieurs. Chaque micro-organisation a son site agrégateur de contenu. Ça a un intérêt important pour le Front National, parce que ça permet d'aller chercher des articles un peu partout qui viennent du local, avec des informations ancrées sur le territoire. Je vais être assez franc ce matin, hein, pour un petit comité, mais assez loin de ce qu'on va avoir sur le site de l'EV et des comités de presse très hors sol. Là, au contraire, on a le fait divers qui permet de développer un discours bien islamophobe. On a la dernière chronique du Bidonville du Coin, et c'est ça qu'on retrouve sur ce type de site. Et donc, on parle du fait divers pour en faire un discours, pour y développer le discours islamophobe, pédagogique et frontiste habituel, ou identitaire, parfois, même si les deux se regroupent assez souvent. Est-ce que quelqu'un d'ailleurs a une question sur la différence entre FN et identitaire, ou est-ce que c'est un peu clair pour tout le monde sur ça? Je pense que dans vos régions, vous avez les deux, chaque fois. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de régions qui sont éparpillées par les deux. Il n'y a que le sud-ouest où il n'y a pas encore d'identitaire. Les régionalistes sont encore très à gauche, à ma connaissance. Bon, pas bien en nuance, mais je te laisse la parole. Parce que même en Bretagne, maintenant, il y a des identitaires. Côté facho. On a les sites traditionnalistes catholiques, vous connaissez peut-être hein, le Salon Belge, où là vous avez les bons trucs bien réac, les reprises des CP de Civitas, c'était évidemment toute la mouvance anti-mariage pour tous qui a énormément gonflé il y a un an et qui a permis encore une nouvelle étape sur l'expansion de la fachosphère. Vous avez tout ce qui est lié au Front National, qui est quelque chose à part, et qui est même d'ailleurs parfois décrié par le reste de la fachosphère, puisque c'est comme pour l'écologie politique. Dans l'écologie politique, vous avez les associations qui tapent sur le parti, et à l'extrême droite, vous avez les assos fachos et les groupuscules qui tapent sur le parti, parce que le FN n'est pas assez facho pour les identitaires, les cathos, les hacks, etc. Vous m'excusez les appellations, mais ça va plus. Je ne peux pas faire... vous avez donc tout ce qui regroupe les identitaires autour du site Novopresse, et puis ensuite vous avez quelque chose un peu à part, qui est toute la mouvance conspirationniste, antisioniste, qui va des fameux chemtrails jusqu'au nouvel ordre mondial, où là vous avez aussi une sorte de complosphère, je ne sais pas comment on peut l'appeler, c'est-à-dire où c'est aussi extrêmement en extension. Avec des questions beaucoup plus compliquées pour nous, c'est-à-dire que là il s'agit de. Enfin, comment on fait concrètement pour détricoter quelqu'un qui développe un discours conspirationniste? Moi j'attends vos réponses aussi, puisque personnellement je n'y arrive pas. Ça relève de la foi, c'est-à-dire que quand on est athée, convaincre quelqu'un de l'existence de Dieu, c'est pas assez compliqué. Quand on convainc de l'inexistence des chaptails, c'est compliqué aussi. C'est toujours très compliqué de démontrer l'inexistence de quelque chose. C'est pas la partie la plus simple de cette fachosphère. Ça a été dit dans le reportage, le FN a tout de suite bien compris l'intérêt de l'Internet, c'était le premier parti sur Internet, c'était aussi un des rares partis qui avait ce 3615 le FN. Donc très présent là-dessus, pour une simple raison, c'est que encore aujourd'hui, alors c'est moins le cas et ça commence à se. Et on pourrait en discuter longtemps, mais les médias ont une posture différente du Front National et de Marine Le Pen. Mais jusqu'à l'accession de Marine Le Pen à la direction du FN en 2011, le Front National vivait quand même une mise à l'écart des médias et de l'échiquier politique traditionnel, et ce qui faisait que pour atteindre l'électeur, sa solution c'était de passer par les réseaux où un citoyen égale un citoyen. Et le seul endroit, l'endroit où on atteint le plus cette logique un citoyen égale un citoyen, c'est sur Internet. Il faut avoir l'information pour y accéder, mais une fois qu'on y accède, on a l'information qu'on veut, on atteint qui
qui on veut. Et Twitter, c'est l'apogée de cette logique-là, où on peut interpeller n'importe qui et insulter n'importe qui sans problème. Et donc, le Front National vient contre ça, il a investi ce sujet. Il a créé des outils numériques pour le faire. Et Marie, tu disais tout à l'heure qu'on était en avance sur la mobilisation et sur Internet. Je pense que ce reportage-là, je suis au regret de le dire, je pense qu'on est très en retard par rapport au Front National sur les outils numériques et sur notre mobilisation sur le web. C'est-à-dire qu'on a, sur Facebook, on n'existe pas. On n'existe absolument pas sur Facebook, alors que c'est là que se situe l'électorat le plus populaire. Et sur Twitter, on est essentiellement sur un compte Facebook du Parti UMP qui est extrêmement suivi, mais qui est très peu retweeté. Et à côté de ça, on a des comptes qui se parlent entre eux. C'est-à-dire qu'on est, on est les caricatures des autres partis, on est peut-être encore plus loin dans l'entre-soi numérique sur Twitter. On va se dire que ça fait tuer qu'il y a un député qui a fait une connerie. Sinon, moi, ça serait plus simple. Mais, on passe notre vie à faire ça, c'est des coups de boomerang. On a une vraie difficulté pour réussir à aller vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a aussi une logique différente entre les partis traditionnels et les Front National, c'est que les partis traditionnels, et pour ça, on est dedans, donc ça nous interroge parce qu'on n'arrête pas de dire qu'on est alternatif, mais sur ça, on fait la même chose. C'est-à-dire que sur Twitter ou sur notre communication externe, les communications externes ne visent pas à atteindre les citoyens, mais visent à atteindre les journalistes. Le Front National ne cherche pas à interpeller, il commence à le faire depuis 2011. Et jusqu'à 2011, il ne cherchait jamais à atteindre les journalistes. Chercher à atteindre le citoyen via Internet, via les réseaux sociaux, via des chaînes de mails. Je pense que vous avez aussi ces fameuses chaînes de mails qui dénoncent des grands complots et des grands scandales sur. On dit regarder les médicales d'État, les étrangers qui sont soignés d'Afrique, etc. Vous en recevez certainement dans vos spams assez régulièrement. Toutes ces choses-là, ça travaille. C'est-à-dire que nous, on a une tension politique qui fait que ça, on les met à l'écart assez facilement. La plupart des gens ouvrent le mail et sont interpellés. Quand on reçoit le 15e mail sur les étrangers, ce gars sur la sécu, on commence à se demander si c'est pas vrai. Et c'est comme ça que le Front National, depuis 20 ans, avance. C'est une bataille culturelle qui est menée rigoureusement et méthodiquement, et avec une stratégie long terme que chez les écolos, on n'a pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas aujourd'hui, dans ce parti, de stratégie long terme de communication externe, d'implantation sur le territoire, de conquête d'un certain électorat contre un autre, de choix, etc. Donc, on reste très court-termiste dans notre stratégie électorale. Il y a aussi autre chose dans les chiffres qui n'ont pas été dit dans le reportage, mais que j'avais trouvé qui était très intéressant, c'est qu'il y a aussi des signaux qui apparaissent dans le reportage, c'est que on a sur les municipales une étude qui a été faite sur les commentaires des principaux la principale presse en ligne, les nationaux. Sur les articles, on était entre 50% et 80% de commentaires sur la municipale. Donc c'est ce qui est dit clairement dans le reportage, c'est-à-dire que l'EFN s'est doté d'une brigade, essentiellement les WFNJ, et c'est la brigade jeune de l'EFN qui est chargée de commenter et d'orienter systématiquement les commentaires des articles. Je pense que vous pouvez faire le sondage, vous prenez un article sur Cécile Duflo, Jean-Luc Passé, qui vous voulez, ou même sur un truc écolo, vous avez zéro commentaire d'écolo. Et vous avez des commentaires de la droite qui tapent sur la tronche. Et vous allez sur un article qui dénonce un dérapage de l'UFN, vous avez 150 commentaires de l'UFN qui disent que c'est scandaleux, que c'est de la censure, que c'est de la stigmatisation, etc. C'est-à-dire que nous, on ne commente pas. Je me demande, parce qu'on passe un temps fou quand même sur Internet, et je finis par demander ce qu'on y faisait. Parce que, au niveau du Front National, eux, ils sont quand même, ils sont vraiment présents, ils occupent l'espace, alors que, c'est à savoir quel temps on y passe et ce qu'on y fait autrement. Est-ce que ce temps-là, on peut quand même le consacrer justement sur l'externe et sur la tentative de cette bataille culturelle qui devient dangereuse, pour le dire franchement. Et évidemment, ce que dit Marine Le Pen est extrêmement révélateur dans le reportage. Il faut savoir que Marine Le Pen, c'est une des élus qui, dans la campagne présidentielle, s'est le plus engagée sur les libertés numériques. Elle se présente comme la grande défenseuse de la neutralité du web. C'est pas par hasard. C'est-à-dire que Internet, c'est la parole libre pour elle. Et la parole libre, c'est pas la parole libre au sens de Rousseau, c'est libre, on fait ce qu'on veut. Quoi. C'est pas exactement la même chose. Et donc, il y a toute la question que vous voyez certainement aussi sur les articles. Quand il y a modération d'un commentaire, vous avez 10 articles du FN ensuite qui lient à la censure. Quand un commentaire est modéré, parce qu'il y a des rapports. Donc là, vous avez aussi un vrai questionnement à avoir, notamment sur notre rapport à la neutralité du web et à la censure des commentaires et à la modération de certains sites, etc. C'est une question ouverte pour moi
puisqu'on est ici tout à fait défenseur de cette neutralité du web, et en même temps, comment on gère les questions de diffamation, comment on gère les questions d'appel, d'incitation à la haine, etc., qui se manifestent de plus en plus. Il y avait un autre reportage, on ne passera pas forcément, mais en fait, il y avait eu deux pics l'an dernier sur les commentaires haineux et incitation à la haine. Il y avait eu Mariage pour tous, évidemment, et puis il y avait eu un échec encore plus important, c'était Leonardo. L'affaire Leonardo, où il y a eu des commentaires absolument incroyables. Et ce que nous expliquait le spécialiste, c'est que sur tous les sujets, que ce soit les sujets un peu clivants, hein, donc les sujets de société ou les sujets de questions géopolitiques internationales, à chaque fois que vous arrivez quand même à avoir du débat entre des pour et des contre, il y a une thématique où vous avez zéro commentaire qui vient défendre la population en question, c'est sur les Roms. Et donc nous, on est un des rares partis à défendre la population Rome et on ne les défend pas sur Internet. Donc sur Internet, vous prenez des articles sur les Roms, vous n'avez jamais un seul article qui dit que les Roms, c'est quand même des êtres humains. Et tous les autres, ils décrivent que les Roms, il faudrait les gazer, etc. Donc, je pense que là, on a aussi une responsabilité à répondre et à ne pas laisser ce terrain à la vide et à ne pas laisser se propager le message sans réagir. Sur la question de la diffamation, c'est une question complexe. Et juste pour vous permettre d'ouvrir la réflexion et qu'on l'ait tous en tête, d'un côté, on a un pays où la diffamation et l'incitation à la haine est importante sur Internet. De l'autre, on est aussi le seul pays à réagir autant d'un point de vue juridique. 80% des signalements Twitter de diffamation viennent de France. Ça laisse réfléchir quand même les autres pays, que font-ils, comment gèrent-ils le problème. Je pense qu'en tant que parti pro-européen, on a aussi tout intérêt à regarder comment les autres pays gèrent ça. Que ce soit le Royaume-Uni, l'Allemagne ou les pays scandinaves, je pense qu'il y a peut-être des réponses possibles aussi sur la gestion du débat sur Internet. Toujours sur Internet, on a aussi la quête qui est assez décrite, qui est très bien dit par Benoît de Gollnisch, c'est une mérite qu'on lui trouvera dans le commentaire. C'est la question de la quête d'une information objective, la lutte contre la désinformation, etc. Ça rejoint toute la question aujourd'hui des hoax qui se propagent sur Internet, les théories du complot, rumeurs, chaînes. Internet permet la circulation d'informations de qualité, permet la co-construction, permet une intelligence collective extrêmement incroyable. Elle permet aussi de faire circuler les pires merdes en termes d'informations et de propager des choses assez incroyables. Comment on fait pour soit éviter ça, soit je pense que la réponse sera plus sur le biais culturel, mais comment on fait pour éveiller les consciences. Sur ce point-là, je pense, c'est pour ça que je disais qu'il faut lutter contre le frontière sur et par Internet. Je pense que Internet est aussi le meilleur outil pour éveiller les consciences aujourd'hui. Et comment ELV se met dans cette posture-là, comment on se crée les outils de faire ça, comment on fait des kits extrêmement simples, des vidéos toutes bien faites qui expliquent certains problèmes d'être méchant. On ne le fait pas aujourd'hui, on est absent de cette bataille-là au niveau de l'information, etc.